Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, je vais partager avec vous le précieux message, encouragement que vous avez à recevoir aujourd'hui dans votre spirituel, le conseil message que vous avez à recevoir. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence, participation sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, merci, merci. Bienvenue aux anciens, aux anciennes, à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et on y va, c'est parti. Donc, le précieux conseil, message, encouragement. Ensuite, je vais... Donc là, c'est aujourd'hui, là, c'est le domaine santé, santé, bien-être. Donc, je vais aller zoomer au niveau de la santé et du bien-être d'une personne et je partage tout ce que je peux partager avec vous. Ensuite, je partage aussi le message santé, bien-être pour nos amis, les animaux. C'est du général, vous faites bien bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler, c'est normal. Allez, c'est parti. Ici. Alors, c'est l'ange Merlina. Vous êtes confus et indécis. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être confus, indécis. Pour moi, c'est parce que vous manquez d'informations. Vous pouvez manquer d'informations, une ou plusieurs. On vous recommande de rechercher les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc, de ne pas hésiter à prendre les avis d'experts, un ou plusieurs, avant de prendre une décision. Allez, je partage mon écrit du jour, comme toujours. Allez, santé, bien-être, donc, pour une personne. Et on va voir tout ce que je peux partager avec vous. Alors, c'est du général, on fait bien, bien preuve de discernement. Si vous écoutez le message et que vous vous dites, je ne sais pas si c'est pour moi ou pas, si vous hésitez, même un gramme, il faut le mettre de côté, hein, d'accord? On ne se force pas à recevoir un message qui ne serait pas pour soi. Alors, aujourd'hui, pour moi. Je peux avoir une personne. Je peux avoir une personne pour moi qui va réussir à remarcher après des mois. Pour moi, vous êtes actuellement en rééducation. Vous pouvez. Ça fait des mois. Pour moi, vous avez peut-être des mois que vous êtes en rééducation. Peut-être que ça fait des mois en fait où vous restez au même point. Au niveau de votre éducation, pour moi, vous restez au même point. Pour moi, il n'y a pas plus d'évolution positive. Oh, évolution positive. Évolution positive. Évolution positive. Bon, ça fait des mois pour moi que vous êtes en rééducation. Il n'y a pas d'évolution sur votre situation au niveau pour remarcher, en fait. Hein. Vous pouvez avoir un blocage, voilà, au niveau de la marche. Peu importe quel qu'il soit. Vous pouvez peut-être avoir une lourdeur, hein, une lourdeur au bassin. Une grosse, grosse lourdeur, un gros poids au bassin. Donc, j'ai pour une personne, pour moi, vous allez remarcher après des mois où en fait votre rééducation, elle reste au même point. Il n'y a pas d'évolution plus que ça, plus visible que ça, pour moi. Ça reste au même point. Sur votre situation, je peux avoir un miracle de guérison.
Et pour moi, vous allez ce miracle de guérison. Juste après, vous allez sortir peut-être du. Ça peut être néant. Enfin voilà, il n'y a pas de. Au niveau de la rééducation, ça fait quelques mois, vous êtes toujours au même point. C'est comme si voilà, il n'y a pas une évolution considérable ou dans le néant, c'est que voilà, ça n'avance pas du tout en fait pour moi. Vous avez peut-être pas eu de progression au niveau. Pour remarcher. Et en fait, là, le miracle de guérison. Va vous permettre en fait va vous permettre sur votre situation de sortir donc de sortir de ce qui du néant voilà du néant lié à votre éducation et pour moi vous allez dans les débuts, vous allez. En fait, vous allez progresser dans la rééducation après le miracle, le miracle de guérison. Vous allez progresser. Vous allez progresser. Et ça va être visible. Vous allez le sentir, vous allez le voir, vous allez le vivre. Vous allez vivre. Voilà, vous allez le vivre. D'accord? Vous allez le vivre. Vous allez le vivre. Donc soyez fiers de vous, même si voilà, vous avez une rééducation jusqu'à maintenant, de ne pas vous décourager, surtout, surtout pas. Jamais, jamais, jamais vous décourager, même si vous avez eu, voilà, une rééducation qui n'a pas porté ses fruits, vous n'avez pas évolué comme vous le souhaiteriez. Vraiment, faut vous booster au maximum de positif. Parce que là, en fait, après le miracle financier. Après le miracle de guérison, ça va avancer et dans le bon sens. J'ai un immense miracle, hein. Un immense miracle. Pour moi, vous allez, y a un immense miracle. Vous allez aussi. Là, ça fait des mois, vous n'avez toujours pas, pour moi, lâché peut-être un fauteuil roulant. Vous êtes peut-être toujours en fauteuil roulant, c'est possible. Et là, pour moi, vous allez le lâcher. Hein, vous allez lâcher le fauteuil roulant. Après le miracle financier, et voilà, vous allez progresser. Vous allez progresser. Vous allez. Commencer à remarcher et ensuite après j'ai vraiment que vous allez lâcher progressivement aussi ça va se faire naturellement vous allez lâcher aussi le fauteuil vous allez remarcher j'ai un miracle au niveau de la marche vous allez aussi sortir de ce fauteuil vous n'allez pas rester pour moi dans ce fauteuil. Et vous allez remarcher.
Et je vois aussi que vous allez réussir, vous allez réussir à reconduire. D'accord? Donc de ne pas baisser les bras. De continuer. D'être très très fier de vous. Et de continuer. Est-ce que vous allez réussir? Même si ça fait des mois en fait que il n'y a pas de progression. Bah de pas abandonner, de pas baisser les bras, de pas abandonner. Parce que là, ça se transforme vraiment, vraiment, vraiment. Et vous allez être épanoui, vous voyez, vous allez être épanoui. Il y a même une reprise, peut-être une reprise pour moi. Il peut y avoir une reprise. Ouais. Une reprise de travail où vous allez être épanoui. En fait, c'est comme si dans la rééducation, là, ça fait des mois que vous êtes dans la rééducation et en fait, il n'y a rien qui progresse. Voilà, tout ce que je pouvais. Non, 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 nos amis, les animaux. Alors, donc, le message pour la santé. Et bien-être d'une personne, j'ai partagé en espérant que ce message vous parle. Moi, je vous le souhaite. ici. Alors, pour nos amis les animaux. Je peux avoir un animal pour moi qui va. Alors, pour moi, pour moi, pour moi. Donc, c'est du général, hein, pareil. Pour nos amis les animaux, c'est du général. Donc, ne prenez surtout pas le message qui est pour l'animal de votre voisin. Surtout si. S'il n'en a pas. Alors, aujourd'hui, je peux avoir un animal. Pour moi, j'ai un animal qui va retrouver toute sa vue. Toute sa vue. Il y a un miracle de guérison. Il y a un miracle de guérison. J'ai sa vue qui va être réparée en totalité. Et il va vraiment reprendre toute sa liberté, son indépendance, son autonomie. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'était un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo. J'adore vous lire. À vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire, c'est gratuit. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. À bientôt!